Approchons une tige d'acier ou de fer du disque tournant d'une meuleuse d'angle et observons les trajectoires des étincelles. Les étincelles jaillissent du point de contact entre le disque et le métal tangentiellement à la circonférence du disque. Les étincelles sont des particules du bord du disque et des poussières de métal qui sont arrachées lors du contact et chauffées jusqu'à l'incandescence. Les particules qui constituent le disque ont un mouvement circulaire. Elles quittent cette trajectoire tangentiellement au disque en raison du principe de l'inertie.